Nous recevons à présent le pianiste Philippe Bianconi. Il mène une carrière internationale depuis plus de 30 ans. Il voue une passion pour de nombreux compositeurs, romantiques allemands, mais également pour Debussy, à qui il a consacré un deuxième album en 2012. Et à ce titre, il est nommé pour la victoire de l'enregistrement de l'année. Et donc ce soir, Frédéric, Philippe Bianconi joue un fameux Clair de Lune. Ah oui, tiré de la suite bergamasque de Debussy, c'est d'après Verlaine, notre doux poète. Et c'est un paysage musical très tendre, très rêveur. Et Debussy avait 28 ans, et là, il offre un langage nouveau et envoûtant. Et il était un peu le descendant de Frédéric Chopin, finalement, par le style, mais là, il s'est émancipé. Clair de Lune de Debussy, par Philippe Bianconi. Thank you.
Un grand bravo à Philippe Bianconi pour ce magnifique clair de lune, un clair de lune dans la nuit bordelaise.